En fait, il faut faire un appui court, pas un appui long. Je me trompais. Mais c'est bien, c'est reparti. On continue à filmer. On a bu un coup, c'est nickel. Alors, j'avouerai que j'ai un début de dégoulinade dans le cou et dans le dos. Parce que je commence à suer comme un gros cochon. On n'est pas à l'ombre. Mais c'est bien. Non, mais c'est bien, je me dépense. Et puis, je t'avais dit en début, là, j'ai du bide à perdre. J'ai pris un peu trop de graisse cet hiver. Et c'est très bien l'idée que je fasse une journée de marche complète en ta compagnie, une fois par mois cet été. C'est très bien, je vais perdre mon bidon et redevenir normal en septembre, normalement. Ce qui ne m'empêchera pas de me faire un ou deux barbucks cet été pour le plaisir, mais raisonnablement. La petite terre de basket, c'est lourd. Oh là là. Alors, je réfléchis, là c'est, je ne sais pas si c'est le chemin, c'est raccourci. On va aller par là. Je te suis, ouais, je ne connais pas. On va aller par là. Tu veux encore marcher combien de temps? Bah, c'est pas combien. Enfin, il si. Encore, il est presque midi et demi. Oui, bah, là, mon estomac qui est pas famine. L'idéal serait qu'on. Souviens-toi, le peloton de la Zéville, on avait déjeuné, il était 14h, ah. On s'était installé. J'aimerais qu'on mange un petit peu avant quand même. Oui. Mais si, on va dire, on se fixe 13h30 maxi, le fait de se poser pour déjeuner, et en espérant qu'on trouve du mobilier pour poser nos fesses sur un banc, que je puisse poser la caméra au niveau de nos visages sur une table, ouais. Ça serait top d'avoir du matos de camping. Alors. Mais depuis qu'on a pris cette parcelle, que je ne connais pas, je m'en remets à toi, ouais. Il est vrai que pour le moment, on n'a pas vu de mobilier. Voilà. Ah bon, ce serait privé d'après toi? Bon, c'est vrai qu'on frôle un bâtiment, mais... C'est bizarre, on dirait un gymnase. C'est un sorte de... Merde, j'ai mis un zoom sans vouloir. Attends, je vais repartir en éclaireur. Oui, pars en éclaireur. Il y a des fleurs, il faut que je filme les fleurs, il y en a des magnifiques. Ah non, mais c'est un gymnase. Là, on quitte le parcours de santé pour voler par là. D'accord, putain, mais il y a des fleurs, je suis obligé. Il y a des fleurs, elles sont trop belles. Oh pardon, j'ai fait peur au... Le moteur a pas aimé. Oh non mais elle est magnifique. Attends, je vais laisser à la lumière. Et il y en a une autre un peu plus loin. Attendez, bougez pas. Il y en a une autre. Attends, j'arrive pas à voir si je la filme bien. Ah oui, elle est là-bas. Angle de roulis max atteint. Oui, d'accord. Je tiens mal la perche, elle fait la tronche. Ah, je la mets à l'ombre. Voilà. Et là, est-ce que je peux m'approcher? Attention, c'est une plante carnivore. Mais bien sûr. Non, allez, je filme tout. Pardon, je filme mal, mais je veux pas piétiner la prairie, donc je tends le bras, je suis en train de me niquer le bras. Mais il y en aura peut-être d'autres. S'il y en a d'autres plus accessibles sur le sentier, je refilmerai. Mais non, c'est magnifique. De toute façon, le parcours de santé est limité par des barrières pour empêcher de passer des vélos, les voitures, les motos. Ouais, c'est vrai, c'est bien, ça dissuade. Mais attends, mais ça, je suis obligé de filmer. Regarde-moi ce parterre de fleurs magnifique. Oui, c'est ça, il y a de tout. Il y a de tout. Non, là, je suis obligé de filmer la prairie, regardez-moi ça. Attends, je vais zoomer un peu. Allez, x3. Je pense que je peux cadrer les fleurs. Oh, regardez-moi ça. Eh. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ce qui me fait mal aux tripes, c'est de me dire qu'avec le dérèglement climatique, on va peut-être les perdre. Alors, je suis pas biologiste, mais... Je me dis, je fais peut-être un boulot sans le savoir d'archiviste pour les générations futures, quelque part, en amateur bien sûr, mais. Attends, c'est ça qu'il avait vu. Pardon pour l'effet Gerbotron, parce que faut que je retrouve ma cible et que je zoome bien. Ouais, le soleil commence à taper, la vache. Je le sens dans ma nuque. Oui, j'aurais peut-être dû mettre de la crème solaire dans la nuque. Je ferai ça à la sortie du déjeuner, s'il n'est pas trop tard. Parce que je me suis tartiné juste les avant-bras. Bon, le pif, je m'en fous un peu. Mais la nuque, ça peut faire mal si je la crame. Surtout quand je dors la nuit avec l'oreiller. Oui. Le joli résineux. Ah mon Dieu. Oh.
Il y a des tutures à côté. Ok. Il part en éclaireur. On va voir si c'est le bon sentier ou pas. Non mais là ça rejoint la civilisation, c'est la route avec les maisons. J'y crois pas. Moi je dis il va faire demi-tour, il va dire c'est la ville. Eh, vous voyez le poteau là? C'est la ville. Pas ça qu'on cherche. Je suis sûr qu'on va prendre à droite. Ah, à gauche, merde. Oh, décidément. Des jeunes qui se promènent et qui font un parcours comme nous. C'est bien, oui, il y a des jeunes qui sont sortis. Alors là, je rejoindrai un peu la vanne de Chepuki qui disait les randonneurs de l'extrême. Parce que là, ça devient vraiment sauvage, subitement. Là, c'est un coup avoir des toiles d'araignée et des fils de chenilles qui nous arrivent dans la tronche, qui pendouillent des arbres. Civilisation. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, c'est la civilisation. Civilisation. Ah oui, on voit le goudron d'ici. On a remarqué qu'au premier parcours de santé, il y avait des petites épreuves à passer sur des 200 mètres. Il y avait des petites épreuves physiques à faire, comme des pompes, des retours des poteaux, ou je ne sais pas quoi. Ou sauter entre les marches. Mmh. Et là, il n'y a rien du tout. Mmh. Tu vois, c'est à garder l'appellation de chemin. Parcours de santé, ouais. Mmh. Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. On va pas. Je connais pas. Je ferai pas de choix bidon. J'espère juste que toi tu fais des choix éclairés. Je te fais confiance. Quoi? Juste là. Un écureuil? Non, un petit oiseau là. Ah, petit oiseau. Juste là. D'accord. Oui, d'accord. Mais pas de geste brusque. D'accord. Oui, on le voit. Un coup. Oui, attends. Non, on fait pas de bruit humain. Bouge pas.
qui sont de la nourriture dans nos sacs. Oui. Et les chips. Ah merde, j'ai une branche, décale-toi. Un pas latéral. Mais une petite. Il a gardé ses petits. Ah, c'est bien. Là, c'est son autre côté. Là, à gauche, là, là-haut. Ouais, 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 ouais. Sur la branche. Là, sur le hippie 2. Ah, oh oui. Vers le haut. Pas caché par la feuille. Oui. Attends. Il a pas peur, il est pas farouche. Ouais ouais. C'est une mésange. Enfin, je crois que c'est une mésange. Il est peu farouche. Tu crois qu'il va venir manger dans ta main? Bah oui. Ouf. Alors je ferais contrer un truc justement. Encore avec ça. Donc il est fini de filmer. Ouais, on va passer, on va le laisser peinard. Voilà. Mais il est beau. Bien vu, Nayonet, bien vu. Bravo. Mais arrive un gars, les oiseaux étaient moins heureux. Je suis allé jusqu'à Lyon. Ouais. En Provence, au bord de la gare, pour prendre le bus. Et il y a des petits oiseaux qui venaient tout près de moi. Je tenais le morceau de miette de gâteau dans la main. Il est venu sur ma main, il l'a mangé. Oh. Ouais, c'est à droite. Ah, tu vas aller là. Ok. Ah, c'était assez. C'était un peu farouche. Il n'avait pas peur du tout. Ah, là. Et là, on attend la zone de départ. Là, on va aller. Et là, on arrive au point de départ. Ah. Voilà, on a fait le tour. On a fait ce petit tour, grand tour à la fois. Là, tu vas dire. Bien vu. Voilà, donc là, je suis à court d'idées. Alors, objectif, table pour déjeuner. Ouais, allons-y. S'il vous plaît, c'est où? Alors, la table pour déjeuner. Je crois que c'est côté civilisation, ou alors on longe ce chemin, mais je crois pas. Parce que j'ai vu des tables. Que je me souvienne. Il y a une piste cyclable. Je pense qu'en longeant la piste cyclable, un, on n'est pas prêt de se perdre. Deux, il peut y avoir des parties camping le long des pistes cyclables. D'accord. On va par là ? Je crois. On va faire un peu de béton et de goudron. Oui. Oui. Mais je pense qu'on augmente la probabilité de trouver une aire de repos, enfin de repos, de table de camping. Je suis déçu, j'ai pas trouvé la pente montante pour redescendre. Je me rappelle, je l'ai fait à vélo, je redescendais un peu de berzingue. Oui, c'était pas ici, c'était un autre sentier. Non, c'était un autre sentier, oui, mais ici. D'accord. On va aller par là. De départ. Ouais. Comme tu veux. Chenille. Chenille, vas-y. J'ai failli me manger ce que j'ai tout à l'heure, une chenille en pleine poire. On va le tourniquet. Ouch, je passe tout juste entre les deux arbres. Moi, je touche. Alors, donc, gauche, droite, on revient. Là, il n'y a pas grand-chose. Là-bas, il y a un restaurant. Ah, parcours sportif. On n'a pas un panneau qui. On a vu un panneau, mais c'est juste un chantier autour. Oh, merde. C'est bon, vous pouvez interpeller un natif du coin pour lui dire où est-ce que vous connaissez qu'il y a une table de camping, s'il vous plaît. On va aller par là pour voir. On va partir en explorer. Ouais, c'est vrai qu'on a un virage qui nous cache la vue. Tonnes, mais ils sont loin. T'es malin, je te l'accorde. Bonne déduction. Effectivement, je fais le même raison que toi, je te rejoins. On augmente les probabilités de trouver quelque chose. Ouais. Notre chemin pour tenir, c'est les deux pierres là. Les deux pierres là, putain, je vais les filmer. Avec le cycliste est très loin encore. Voilà, les deux pierres, les deux sinon, pierres. Sinon, par là, c'est aussi possible de rentrer par Nancy en passant là-bas. Ouais. À droite. Bon, au pire, on prendra l'antenne de Malzéville dans l'horizon pour guide. Oui. Non, mais le pire. Ouais. Je suis bien dans le pire. Mais là, je reconnais. Ça serait ça. Là, ça mène à Nancy, il n'y a pas de souci. Ça mène à Vendôme. C'est bien.
la première fois que je suis venu ici, c'était ma soeur qui m'avait indiqué le chemin. Ok. J'ai retenu. Oh, regarde. Oui, joli papillon, oui. Mais là, je ne pourrais pas le filmer parce qu'il est mobile. Mais oui, on aura sûrement l'occasion l'été de filmer soit des chenilles, soit des... Et j'en ai déjà vu des grosses chenilles au sol, ou des beaux papillons. Non, le plus beau papillon que j'ai vu de ma vie, c'était un papillon nocturne, qui était un sphinx du liseron. Et en fait, j'avais fait sécher sur une cordelette en extérieur du linge, et il s'était fixé dessus la nuit. Donc au petit matin, quand je récupérais mon linge en plein été, quelle surprise j'ai eue de voir un sphinx du liseron. Je vais vous le montrer, je l'ai pris en photo à l'époque. Il est magnifique. Donc ces civilisations, on n'aime pas trop. Bande cyclable. Oui, voie rapide qui mène à la ville de Nancy, ouais. Parce que derrière Nancy, nous, c'est derrière. La Cambrousse. Ouais. Ah, Nancy est derrière nous ? Oui, Nancy est derrière nous, ouais. Ah, là, on fait face à quoi, là ? On fait face à Marron. Si on continue, on tombe sur Marron. Ah oui, je vois, je pourrais montrer sur une carte. Ok. Non, Nancy, c'est derrière. D'accord, d'accord, d'accord. On s'échappe de la ville, hein. Bah, je peux pas mal. On s'échappe. C'est vrai qu'au niveau routier, là, on arrive vers un carrefour où il y a des panneaux directionnels et on pourra mieux se repérer géographiquement. Ça fait un peu la voie, la Vève, là, ici. Ouais, c'est ouais. C'est un bon même style, puis une bande cyclable, un truc piéton et un... une route. Ah hein. Ouais, ouais, c'est vrai. La différence, c'est que c'est plat. Ouais. Et si on va vers là, ça descend de Nancy. Mmh, d'accord. Oui, Malou. J'aurais bien préféré faire la balade de... un bout de balade de... la prochaine, ça serait bien la balade de... En tout cas, tu feras tes balades. Oui. Et la balade de la Moselle. Oui. On voit qu'on n'est pas les seuls à profiter de la nature. Ah, hein. Oui. Et les bagnoles qui étaient garées sur notre droite. Voilà, on arrive à... là, il y a une intersection, est-ce qu'il y a des bancs ? Là, il y a le parcours encore ? Non, alors je ne voudrais pas avoir une table de camping au milieu du rond-point. Ah, oui, oui, oui. S'il là, te va. Plaît, là je prendrais plutôt mal. Hey, tennis stade, la vache. Ouais, là, non, alors on peut aller par là. Il y a un centre stade de tennis et stade de. Je pense que c'est stade Air Bandbuck. Bandbuck. Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Alors. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je serais tenté d'aller là. Hein. Bah, vas-y, on y va. Parce que je trouve qu'il y a du bois. Attention, je me fasse pas écraser. Non, puis les bagnoles vont vite là, c'est vraiment une voie rapide. Bon, ça s'est bien dégagé, mais j'ai pas envie de me faire tamponner. Avenue de Malon. Okay. Ah oui, on est proche de l'autoroute même. Là-bas, il y a l'autoroute, je crois. Ah oui, il y a l'autoroute là-bas. Ouais, ouais. Ah, bien, ça porte l'autoroute. Il y a un parking, mais je crois que c'est privé. Ouais. Alors, ce que je veux, c'est pouvoir occuper une table. Je vais passer devant. Avec deux bancs. Oui. Ou même un banc. Je suis pas me contenter d'un banc. Ouais, un petit banc, c'est franchement
Ah, parcelle numéro 200. La parcelle numéro 200. Ça, c'est... Ouais, c'est un bon repère, ça. Le numéro 200. Si on va dedans, pas... Excusez-moi, je suis horrible. On va aller là. Oui. Et peut-être on sera loin de la civilisation. Si on a fait l'autoroute là-bas. Bah, on va voir au-delà de l'autoroute s'il n'y a pas un truc de camping. Allons-y. Il doit y avoir, merdoum. Je vais marcher dans le chemin. Ouais, oui, oui, vas-y. Le plus vite pour être devant. Mmh. J'ai de l'espoir. De ce que je vois en face, j'ai de l'espoir. Ouais, il y a un piaf, une corneille à mi-hauteur, il a pas peur de se faire foudroyer. Regardez, il y a la corneille qui est sur le pylône, elle a pas peur. Ah, c'est vertigineux, j'arrête de filmer ça, ça me rend fou, on se croirait dans Far Cry. Ah, il y a des chevaux. Je ne pense pas que ce soit un canidé qui ait pu générer autant de matière fécale. Je présume que c'est un cheval. Ah oui, un peu d'ombre. Ah oui, là je ralentis et on est à l'ombre. Ah, ça fait du bien. Oh là là. Ah non, il y a des voitures, merde. Je voulais faire un 180 degrés, mais il y a des bagnoles qui arrivent. C'est pas drôle. En fait, tu t'es fait peur au niveau de la réverbération du tunnel et t'as cru qu'il y a eu un saut de puce des véhicules qui allaient rentrer dedans. Ouais. J'ai compris ta flippe. Ouais. Là, il y a une table, j'ai l'impression. Ouais. Non, c'est des rondins de bois, mais c'est pas con comme observation. Ça nous empêche pas de mettre un coup d'œil, parce que là, on aurait le bonus de l'ombre, que j'achète tout de suite. C'est tentant, mais c'est pas fait pour ça. Parce que ça... Non, là, c'est des rondins de bois organisés pour parcours de santé, là. Ou motocross. C'est con, mais c'était bien. Oui, je vois un vélo là-bas. Il y a un VTT. Je ne connais pas du tout par là. Moi non plus. Il y a la route, l'autoroute juste à côté. Ouais, ouais. Oui, l'autoroute, ouais, c'est pas cool. Il faut s'éloigner un peu. On longe un peu le côté en restant près de la civilisation. Ouais. Parce que je pense qu'on aura le coup d'œil pour voir dans le bois et à l'extérieur du bois s'il y a la structure qu'on cherche. De table de camping. Là, ouais. Non, plutôt en extérieur. Ouais. C'est vrai que non, ouais, parce que ça s'écarte trop de la route. Alors c'est bien quand t'es vététiste, mais pour notre mission de repérage de camping, c'est mort. Mmh. J'ai l'impression que je zoome. Ah oui, je zoomais un peu. Qui n'était pas souhaité.
Oh, franchement, alors j'ai pas fait du Google Street View pour ça, mais j'avais espoir qu'on trouve aisément une table de camping. Et c'est pas le cas. Ah, je suis déçu là à ce niveau-là. Je pensais qu'il y en avait plus. Merde. On a un stade municipal sur notre gauche. Ah bon? C'est un banc. Je te l'accorde, c'est un banc. C'est. Ouais, c'est une chose de. Le problème, c'est qu'il est en plein soleil. Ça, c'est moins cool. Mais c'est. On mémorise notre route secours pour ici. On va essayer de tourner encore une demi-heure devant. Et si on voit qu'on n'a pas ce qu'on. On se rabattra sur le banc par défaut. Moi, j'ai encore un quart d'heure. Ouais, en gros, 20 minutes. Attends. C'est une barrière ou c'est une table? Attends. Oh, il y a des trucs grillagés. C'est quoi là que j'ai vu? J'ai cru voir une table, mais non. Non, c'est pas une table, mais c'est vrai, sur le coup, j'ai eu un gros doute. Non, c'est la suite des parcours de. De santé. Oh, non, vététiste. Pas de santé. Vététiste, c'est ça. Vététiste. Alors, on voit le truc des structures de ma boule. Attends, il n'y a rien sous le truc en aglo. Bon, il doit y avoir plein d'araignées, mais. On va faire notre curieux, on est là pour ça. Attends, mais c'est un bunker de tranchée, c'est quoi ce délire? C'est un truc d'ancienne guerre. Non, mais vous êtes sérieux, les gens? C'est un truc de tranchée, ça, c'est un bunker. On dirait. Mais oui, ils faisaient la guerre là-dedans. Ah bah, l'époque a bien changé, ils font des vélos dessus. On peut se poser dessus, tu penses, pour manger? Oh, il doit y avoir des rats et des bestioles là-dedans, je ne vous ai même pas imaginé. Pire que dans Tomb Raider. Ouais. J'essaye de passer la perche. Je fais mon curieux. Ah, mon Dieu! Eh, ça descend! Oh, il y a des galeries souterraines, c'est Minecraft, les gars. Je vois d'ici, alors je sais pas si le capteur arrive à filmer, mais sans déconner, ça descend. Hein. C'est vraiment un truc de tranchée. On passe plutôt par là. Hein. Mais il est fou. Mais qu'est-ce que tu fais, Nayonet? Ma Dieu! Bah oui. Et de là où t'es, tu perçois pas de table? Non. Bon, bah on revient sur la piste cyclable, désolé. Aïe, j'ai me cassé la figure. J'ai marché sur un rondin de bois. Eh bé. Ah bah il va être squatté par les. Par les. Ah oui, regarde. Hop là. Quoi, hop là? Ils ont pris le bord. Ah oui, mais c'est pas grave. Non mais ils ont raison. Donc c'est pas trop civilisé, ça va à gauche, il y a un stade de fou. Mm-hmm. Et ce que j'aurais bien aimé, c'est le parc de Bravois, si on était juste à côté, on aurait pu carrément, ouais, carrément se mettre dedans. Là, il y a des bancs et des chaises. Eh bah, ben voilà, pour la prochaine fois, tu sais ce qu'on devra faire. Ouais. Là, on voit des structures, mais des infrastructures, en fait, mais elles sont privées. Les grandes, les hautes herbes, près du parc de Bravois de santé, où c'était un peu jaune, mm-hmm. On va continuer tout droit, le tourner, s'enfoncer dans les bois, et ça a amené au parc de Bravois. Ah, hein. Mais là, on marche, on est bien. Oh, table de pique-nique. Ah bon, oui. C'est bien là, on va voir. Sinon, on se met comme par terre, comme la dernière fois, avec les pulls par terre. Ouais. Là, je suis moins enthousiaste parce que cette fois-ci, j'ai sacrifié l'espace serviette pour une bouteille supplémentaire de flotte. Ah. Eh oui, donc j'ai plus de textile à étaler au sol. Là, je suis un peu emmerdé. Au pire, j'ai un sac. Je redéploie mon sac au niveau des fesses, ça sera un équivalent. Alors, je mets ma capuche pour avoir d'insolation. Hein. Oui. On n'est pas encore en été, hein. Mais il fait au moins 24 degrés. Oui. Quelque chose comme ça. Oui, je pense qu'il fait 24. Je vais vérifier avec l'appareil technologique. Oui. Degrés comme je disais. Ouais, il fait 24. Oh, mais dis donc, j'ai un thermomètre dans le. J'ai bien estimé. Ouais, c'est bien, bravo. Mais ça serait bien que ça degrés Celsius. Ouais, ça serait cool. Ouais, si seulement ça pouvait être plafonné à ça. Mais là, ce que je dis, on a encore l'air qui circule, donc ça va. Quand il y a des petites brasses de vent, ça fait un bien fou. On respire au moins.
C'est quoi ce dôme? C'est rigolo, regarde à gauche. Oui, je sais pas c'est quoi comme dôme, oui. Je peux le filmer, mais... Je sais pas, oui, c'est peut-être un aquapole, je sais pas. Petite aiguille de l'or et pif. Oui, oui, je sais pas ce que c'est comme bâtiment. Oui, ça, on dirait un énorme œuf posé sur le au ballon de rugby. Dans la forme. Personne. Moi, je vérifie tout à l'heure. Attends. Personne. Oh, à gauche, il y a quelque chose. À gauche, il y a le VMTC. En plus, il y a un trottoir, on peut y aller. Plutôt que prendre la bande cyclable. Si tu veux. Attention, on va. Ah oui, en virage, là, j'ai peur. Parce que si quelqu'un arrive trop vite, il me dégomme. Il n'y a personne. Go, 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 go. Surtout qu'il n'y a qu'une seule voie, alors il pourra pas nous louper. C'est à sens unique. Attends, je regarde. Présence d'animaux interdite. Parking réservé aux utilisateurs des installations sportives. Ouais. Mais est-ce qu'on peut savoir s'il y a. S'il y a une table. Oui, c'est un club de tennis en fait. Mais j'aimerais avoir des tables de pique-nique. Ça me plaît ce que je vois plus bas là. Ouais. Ça me plaît beaucoup plus. Ne pas hésiter à jeter un coup d'œil. Bon, là ça fait parking, mais. Oh putain, c'est con, là, ils auraient mis une table, ça aurait été parfait. Non. Ça aurait été le paradis. Je suis sûr qu'on va toucher au but, c'est pas possible. Oui. Ne me dis pas que toutes les places de pique-nique autour de Nancy ont été vandalisées. Alors là, je serais d'une tristesse infinie. Ouais, c'est dommage. Ouais, bah, tu m'étonnes que ce serait dommage. Ah, là, ils n'ont pas le droit de pique-niquer sur notre zone de camping. Oui, ça pourrait arriver, mais crotoum. Non, là, je t'avoue que je commence à m'en agacer. Je comprends pas sur une telle distance, on n'ait retrouvé rien. Un banc, c'est misérable. Là, je commence à être mécontent. Moi aussi. Hein. Là, j'avais le souvenir qu'il y avait des bancs là-bas. Peut-être qu'ils ont retiré. Quoi, je vois un panonceau là-bas qui indique Boulodrome. Non. De l'amitié. Ah oui, Boulodrome de l'amitié. Ah, c'est un club de pétanque. D'accord. Pétanque de Villers-Nancy. Oh merde, si je vois rien vu en bas de la rue. Il n'y a pas de table. Je sais pas. Bah sinon, en venant vers le banc, on pourra regarder un coup d'œil au Boulodrome et demander poliment si on n'a pas une table de dispo. Ouais. Il y a un bus, tiens. Mmh. Oui. À hauteur de Villers-Clérieux. Ah oui, on arrive. Oui, bah au pire, si tu veux qu'on fasse le retour complètement en bus, il y a moyen. Enfin, j'espère que c'est de raison interne, pas externe. Hein. Ouais, parce que moi, j'ai un titre de transport pour l'interne de réseau. Okay. Bah, l'externe, j'ai pas. Pour payer le chauffeur. On arrive à Villers-Nancy. Alors, Clérieux, commune de Villers-Nancy, d'accord. Et les tables. Enfin, mais là, ça devient une zone à nouveau. Civilisation. Oh, le point d'eau. Oh. Il est beau celui-là, je connais pas. Tu veux qu'on traverse de l'autre côté? On est en hauteur, on a de la vue, on va repérer une table pour manger, Nayonet, avant de se laisser happer par le paysage. Mais justement, qu'est-ce qu'il peut y avoir des tables à côté du point d'eau? Alors j'aimerais voir un petit peu par là-bas et... Ouais, oui, non, t'as raison, on va prendre le passage piéton et puis... Pourvu que t'aies du flair. Ce qu'on peut dire, c'est séparé. Tu vas là-bas et moi je vais là-haut pour asseoir une table. Ou non, c'est trop civilisé là-haut. Bah, si l'infrastructure civilisée ou non, je prends, surtout si c'est à Londres. Il y a un pas de bien. Oui, il y a une passerelle, oui, escalier. J'espère. Parce que là, je commence à avoir faim, j'aimerais me poser, discuter. Alors, je te suis. On peut passer la première portion vite, la bagnole arrive. Oui. Putain, le virage il est serré. T'as vu le mec à la vitesse où il arrive? C'est un toujours le passage. Oui, on tourne à droite, on tourne à droite. T'as vu des bancs? Oh. Si tu trouves une table magnifique. Joli coquelicot. Putain, j'avais filmé coquelicot. Coquelicot, coquelicot. Il est bas.
Il est beau, il est beau. Oh les cons. C'est pas vrai. Ah bah oui, forcément c'est une passerelle pour les techniciens d'entretien de l'étang. Donc évidemment si on descend là on fait plouf. Mais on voit qu'il y a du monde en face. On va faire le tour, on continue d'avancer, on finira bien par avoir un point d'entrée. Espoir. Là il y a de l'espoir. Oh, il y a même des poubelles, oh, c'est incroyable, c'est un parc aménagé, c'est merveilleux. Oh là là. Génial, on y va, t'es un chef, espoir, oh la vache ça descend. Ouais, c'est Joker, mais ouais, il y aura moyen. Mais c'est beau, je connais pas. Ouais, je connais pas ici, mais. En plus, ouais, je sais pas. Pour ceux qui sont doués en biologie, ils vont reconnaître les arbres si je filme avec les cibles. Merde, on avance. À partir du moment où je vois pas une table, je suis sûr qu'il y en a une. Le plan d'eau est là, il y a peut-être bon. On verra. Oui. On prend de l'altitude, donc on aura une vue plongeante. Donc, par rapport au parc, on pourra voir où est la sacro-sainte table de pique-nique qu'on espère trouver. On pourra se mettre sur les petits murets. Là, au pire, on pourra se mettre là, oui. Oh, le mur!
Oh la vache, la fresque, elle est magnifique. Ah oui. J'adore. Bah, comme dans Dying Light, le jeu, là. Les graffitis, j'adore les trouver. Celle-là, elle est magnifique. Là, je reviens, je la filme. Elle est trop belle. J'adore. Je te laisse localiser une table. Bah, profite de la voie panoramique. Là, la voie, la vue. Oh la vache, mais c'est beau. Là là! Putain, mais c'est trop beau! Je veux filmer ça, moi! Mais c'est délirant! Jean Savigne. Ah, MJC, ce genre, d'accord, c'est collectif. MJC, Jean Savigne. Mais regardez-moi ce chef-d'œuvre! Sûrement pour les 40 ans de la MJC Savigne, que je ne connais pas. Vache! Abyss, à Muriel. Ah, il y a un hommage. Attends, là je crois que je la filme bien. Regardez-moi ça, putain, mais c'est super. Mais c'est énorme, j'adore. Pardon, excusez-moi, je viens de passer la perche d'un bras à un autre, elle n'a pas aimé. Putain, mais c'est énorme, j'adore. Oh la vache, mais trop doués les artistes. Oh, c'est énorme. J'arrive. Je coupe à travers ta la ta ta. Il n'y a personne, je pourrais me faire rouspéter. Alors, par là, ah. Donc, t'en conclues quoi? Parce que là, il y a des bancs. Par là. En dessous, il y a un chemin où il y a des bancs. Soit on se met au banc, soit on se met là où on a vu le couple d'amoureux, on se met à l'opposé à l'ombre. Oui, fais ça. C'est ce que tu préfères, moi je te suis. Parce que là, je suis vraiment par avoir soif. Et je vais me poser là. C'est bien, la mi-temps maintenant, qui dure une heure et demie, je suis pour. Pour moi, j'ai croqué 4 biscuits Belvita avec un demi-café au lait. Ça me suffisait largement pour le bide. Le banc s'est libéré là. Ok. Je connais pas. C'est beau, mais je connais pas. Vache, il y a des marches qui font 40 cm de haut. Enfin, j'exagère, 30.
Ah ben c'est bien, on va crêcher là pour la pause déjeuner. En plus, il y a le bon voisin qui se libère. Bien joué. On a réussi. On est à l'eau en plus. Ouais. T'es un chef. Eh ben bravo. Super. On est bien crevé là. Ouais, tu m'étonnes qu'on est crevé. Ouais, j'ai un peu mal à la plante des pieds là. Mais c'est vrai que les marches à des escaliers étaient rugueuses. Ça m'a tapé dans le squelette quand j'ai mis le pied dessus. Allez, je vais couper là, on va s'installer pour déjeuner. Allez, vous voyez, on a le miam qui est déballé. Je suis sûr que c'est chaud. Avec nos sacs noirs, je suis sûr que ça a chauffé. Un petit peu. Ça va faire sortie micro-ondes. Pas trop. Ouais. Pas trop. Les chips, moi, je suis certain qu'elles sont chaudes. T'as l'impression que je les sors du micro-ondes. Oui, puis on filmera posé comme la dernière fois, mais au moment où on est au café. Là, je vais recharger les batteries le temps qu'on mâchouille, qu'on rumine. Notre plat principal, ce qui n'est pas super séduisant à la caméra. Et voilà. Allez, à tout à l'heure, ou plutôt à tout de suite pour vous.